Bonjour à ceux qui sont en train de dormir. Bonjour. Bonjour. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Oui. Jésus. Oui. Jésus. Applaudissons pour lui. C'est vrai qu'après cette longue lecture de l'Évangile, on ne parle plus beaucoup. Je pense que c'est important de garder le silence après ce récit de la passion de Jésus. Tous les dimanches des rameaux nous provoquent souvent. Pourquoi? Parce que nous vivons. Nous célébrons un paradoxe. D'un côté, Jésus est entré à Jérusalem. Il est accueilli par toutes les foules. Tout le monde dit, il est là, le Messie, tant entendu. C'est lui le libérateur. Les gens l'ont accueilli. C'est une grande joie de célébrer le dimanche des rameaux. Et de l'autre côté, nous célébrons la passion, sa mort. Quel paradoxe! Comment un jour de fête, un jour de victoire, peut-il devenir en même temps jour de joie et de souffrance? Tout justement parce que ce qui est considéré comme une humiliation pour Jésus, ce qui est considéré comme une souffrance pour Jésus, c'est un motif de glorification, sa gloire. Et là, nous célébrons la victoire de l'amour éternel. Aujourd'hui, je vous invite, pour ne pas être long, à méditer sur trois aspects, trois attitudes des acteurs de cet évangile. D'abord, l'attitude de cette foule. L'Évangile nous dit, quand Jésus est entré à Jérusalem, c'est la foule qui l'a accueilli. La foule qui a crié « Hosanna au plus haut des cieux ». C'est tout le monde qui acclame. Mais nous vivons un revirement extraordinaire de cette même foule. La même foule qui a crié « Hosanna, Hosanna, fils de David ». C'est cette foule qui crie « Crucifié ». Et il y a même quelqu'un qui disait, il a écrit, j'ai lu dans un livre, il dit, Jésus a identifié dans cette foule, parmi la foule, dans la foule, il y a même des gens qui l'avaient guéri. Il y a même des gens qui ont participé à la multiplication des pains. Les gens qui ont bénéficié de ces services, mais ces gens sont en train de crier, crucifié. La question est posée aujourd'hui. Est-ce que dans cette église, nous ne faisons pas partie de cette foule? Ces chrétiens caméléons, ces chrétiens sans position. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu es un ami proche, et demain, tu seras le premier à dire crucifié. Tu seras le premier qui va l'entraîner en prison. Quelqu'un qui était bien avec toi, probablement, mais qui t'a amené en Europe, mais moins de problèmes, vous appelez la police. Et c'est la prison, c'est l'attitude de cette foule. Et la deuxième attitude qui me touche dans cet évangile, c'est l'attitude de Judas. Judas était proche de Jésus. Et selon les Écritures, on nous dit, mais il était l'économe du groupe, celui qui détenait l'argent, la caisse. Très proche de lui. Et il était même à côté de lui. Mais c'est Judas qui l'a trahi. C'est Judas qui l'a mis. Judas nous rappelle nos trahisons. Trahison d'amitié. Trahison dans nos relations. Même au niveau des paroles données. Quelqu'un qui te dit, je te donne ma parole donnée aujourd'hui. Et demain, il change. Et quand il rappelle, n'est-ce pas toi qui m'avais dit ça, ça fait 5 ans, il dit non. Peut-être qu'il ne m'avait pas bien compris. L'attitude de Judas.
Dans nos familles, nous avons des gitans. Même dans cette église, bon, heureusement, à ce moment qu'il n'y a pas de gitans. Heureusement, dans nos familles, nous n'avons pas de gitans. Vrai ou faux? Hein? Donc, il y a des gitans ici. Donc, chacun de nous est gitan quelque part. Et la troisième attitude, c'est l'attitude de Pilate. Pilate, comme chef, comme roi, avait la possibilité de libérer Jésus. Et la Bible nous dit, sa conscience lui disait que cet homme n'a rien fait de mauvais. Il est innocent, mais arrêté injustement. Mais Pilate était coincé parce que s'il libérait Jésus, il allait avoir des problèmes avec la foi. Et il nous arrive parfois d'être comme Pilate. Je connais la vérité, mais j'ai peur de dénoncer. Parce que tout le monde va se retourner contre moi. Tout le monde parlera négativement de moi. Nous sommes tous responsables, chers frères et sœurs, de ce qui se passe. Un jour, Dieu nous posera la question qu'il avait posée à Caïn. Quand tu fais de ton frère. Un jour, il te posera la question, quand tu fais de ta femme, quand tu fais de ton mari, quand tu fais de tes enfants, quand tu fais de ton collègue de travail, quand tu fais de ton voisin, quand tu fais de ce dossier qui se trouve dans ton bureau, au lieu de résoudre ce dossier, mais tu les gardes. Le bureau est devenu comme une plaque qui est là pour faire disparaître tous les dossiers. Chers frères et sœurs, la passion de Jésus représente tous ceux qui sont crucifiés injustement. La passion de Jésus représente tous les malades, tous ceux qui sont accusés, tous ceux qui manquent la paix, tous ceux qui sont victimes de trahison, d'abandon et de faux jugements. Donc finalement, célébrer ce mystère nous permet d'être avec le Christ. Sans le Christ, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi j'aime toujours donner cette histoire. Vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, il avait utilisé quel moyen? Est-ce que c'était par une voiture? Non. C'était quoi? Pardon? La. La. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Quand il entrait à Jérusalem, mais avec l'âne, quand les gens applaudissaient, les gens dansaient, il paraît que l'âne bougeait la tête. L'âne croyait, il pensait comme si les gens applaudissaient pour lui. Et deux jours après, l'âne est passé avec son ami âne à Jérusalem, même endroit. Mais l'âne était curieux, qui pose la question à son ami, mais ah, passé de deux jours, j'étais ici, tout le monde applaudissait, tout le monde était là. Mais aujourd'hui, on ne nous regarde même pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Son ami lui dit, sans le Christ, on ne peut pas applaudir pour toi. Les gens applaudissaient parce que tu avais le Christ avec toi. C'est que même dans ta vie, si tu n'as pas le Christ, tu n'es rien. Amen.